ça va être l'heure de manger. Bon appétit tous. Salut tout le monde, c'est ActuYTBD. On va regarder une story de Golozer et Richie pendant le ramadan, premier jour du ramadan. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ça y est, ça va être l'heure de manger. Bon appétit tous. Salat sera go. Putain. Bon appétit à tout le monde. Andoula, merci. Bon ramadan, frère. Vas-y. C'est la démarche. Bonjour. Salam, bien quoi? Salut. De ma mosquée, blouse, tapis, des bijoux, on tient manteau, les chaussures. Merci, mosquée, de ma. Ouais. Un monsieur qui est en galère, il demande, je peux être en vélo parce que lui, il n'a pas de vélo. Ok, vas-y. À tout à l'heure. Ciao. Là, il boude, il est énervé. Pourquoi? En fait, c'est un mec qui s'appelle Mokhtar. C'est un daron, il travaille au restaurant. Miskin, il s'est fait voler son vélo. Et maintenant, il n'a pas de moyens pour aller au travail. Donc, il va à pied. Il a dit à Riti, s'il te plaît, dépanne-moi un vélo, s'il te plaît. Je suis en galère et tout. J'ai dit, vas-y, Riti, il n'y a pas de problème, on va lui dépanner un vélo. Là, on est parti prendre le vélo. Et maintenant, il est en train de bouder. Tu peux pas acheter un vélo, toi? Non? T'as pas d'argent pour acheter un vélo? T'abuses, hein? Faut acheter un vélo, frère. Achète un vélo. Voilà. T'abuses. Mais il a 10 000 vélos, Golo. Richie. Tant pis. Mokhtar, t'as pris le vélo? Non, mais Richie, Richie, ça y est, c'est un cadeau. Richie, c'est cadeau, fais le cadeau. Non, pas je te prête. Fais le cadeau, wesh. C'est bon? Je vends. Pourquoi tu veux le vendre? Pourquoi tu veux le vendre? C'est pas toi. C'est un frère. Voilà, c'est un. Mais Richie, regarde-moi. Richie, regarde-moi. Menteur, 800 euros de mentir après. Richie, fais le cadeau. On va je vais t'en acheter un autre, c'est bon? C'est bon? Allez, sérieux, la main, vas-y. C'est. Moi, c'est pas. Ah, le vélo le plus cher que j'ai conduit, c'était un Giant en fibre de carbone à 1500 euros. Hyper léger. Cousin, le vélo, tu me rends quoi le vélo? Il est là, Mokhtar. Tu me rends quoi le vélo? Comment? Tu me rends quoi? Hein? T'es venu, mais ça va? Le vélo, on m'a payé. Tu me rends quoi? Ça va. Tu me rends quoi? Ça va, le vélo, maintenant. Pour moi, maintenant. C'est vrai, hein? T'as 800? De quoi 800? C'est quoi 800? J'ai acheté un nouveau vélo pour toi. Tu me rends compte? C'est quoi 800? C'est comment 800, mon frère? 600. Dès que t'as fini, tu peux pas me rendre. Ah, ça marche. Tu me rends compte? Ok. Ça marche, mon frère. Le cerveau, tu me rends compte, voilà. Ah, ce que je ça, je vole, ça. D'ailleurs, je vole. Tu me rends compte? Comment ça, tu. Hein? Maintenant, tu fais quoi? Tu fais le vélo? Tu fais... J'en fais. Tu me rends compte? Tu me rends compte? Ah oui, dans quoi? C'est pas fini. Quand? Jusqu'à 5 années, si on est rentré. C'est bon? T'as acheté un vélo, ma gueule. Fais ta prime, c'est pas bon. Hein. Kené Koussala. Il est là, monsieur. Monsieur Lee. Hein? Kené Koussala. Kaibo. Kené Koussala. C'est quoi? C'est quoi? Kené la poste, là-haut. Kaibo. Kené la poste. C'est quoi, Kené la poste? Va dans ta poste. Kaibo. Hein? Kaibo. Quoi, crème? Ah, la grève? Oui, à la Kaibo. Oui. Non, Richie l'a dit. Toi, travaille. Oui. Ouais, ça là. Toi, Patti. C'est quoi? Le succès fou de Golo et Richie, pour visualiser correctement, Le Parisien, l'essentiel du 9-1. Golo et Richie, l'histoire de deux gars de cité qui ne se prenaient pas vraiment au sérieux.
T'as trop la rage, j'aime bien. Bien reçu, les frères. T'as trop la rage, j'aime bien. Fatigué, je suis vénère. Le morabe. Attends, viens voir. Fatigué, vénère, morabe. Morabe fatigué, là. Voilà. Tu vas puiser, là. Non, mot quoi? Morabe. C'est quoi morabe de moi? Morabe, je suis quand? Mais attends, Richie, attends. Mot quoi? Mot casé, frère. Ta gueule, mais parle pas. À qui tu parles pas? À qui tu dresses? À qui tu causes? À qui tu parles? Voilà, j'aime bien. Et après? J'aime bien. Hein? J'aime bien. Comment? J'aime bien. J'ai pas entendu. J'aime bien. J'aime bien. Toi là, de ma mousquée, hein. Moi je suis pas là, moi. Donc voilà, c'était la story de Tonton Richie. Voilà la story de Tonton Richie. Golozer 42. Je croyais que c'était Stéphanois, c'est Saint-Étienne 42 ou 43. 1,5 million d'abonnés, quand même, 1,5 million d'abonnés. Ils sont à l'agence Smile là-bas. Donc c'est l'agence Webedia qui gère aussi les influenceurs, les youtubeurs Inoxtag, Michou, tout ça. La team Crouton. Donc Richie qui est angolais. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de musulmans en Angola. Mais chaque fois, il promet vendredi qu'il va aller à la mosquée. Et chaque fois, il y va pas. À chaque fois, il trouve une excuse. Une fois il travaille, une fois... il n'aime pas la muscu aussi. Quand Golozer le ramène à la muscu, il n'aime pas. Donc, Ramadan Karim Moubarak à tout le monde. Ramadan Mabrouk tout le monde. Voilà, tous ceux qui le font. Et bon appétit à ceux qui ne le font pas. Donc voilà, Golozer et Richie, pour ceux qui ne les connaissent pas, sur la chaîne, c'est des influenceurs humoristes. Voilà, de Grigny-la-Grande-Borne. Viry Châtillon, Essonne, 9-1. Voilà, ils ont même fait des bandes dessinées à leur effigie. Voilà, tout simplement, c'est des humoristes. Et on va voir s'il va y aller à la mosquée demain, vendredi. Tous les vendredis, il dit qu'il y va, il y va jamais. Faudrait y aller, c'est... Voilà, et le ramadan, c'est assez dur. Bon, les dernières stories, là, c'est de la pellicule, mais j'ai l'impression qu'il faisait parce qu'il a l'air fatigué, là, Richie, comparé à d'habitude. Il avait l'air tout pâle, tout blanc. Ma parole. Mais il est marrant, franchement, il est marrant, Richie. Marrant, marrant de peau. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, c'était la story de Golozer et Richie en ce ramadan. Voilà, petit clin d'œil. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB, de premier sur les actus des influx. Tchuss.